veux hacker les maths? Alors écoute bien, comment calculer les carrés des nombres qui se terminent par 5? Au carré, c'est pas lui-même. Donc déjà, en fait, le résultat, il se termine toujours par 25. Comment trouver la quantité qui est avant? Eh bien, regarde bien. Tu prends le nombre avant le 5. 6, c'est 3. Et tu le multiplies par le suivant quand tu comptes. Après 3, il y a quoi? Il y a 4. Et tu fais 3 fois 4. C'est fou, non? 12. Et voilà. 1225. Chut, propre, c'est terminé. 65 au carré. Je viens de te dire le résultat, il se termine par 25. Et comment trouver ce qu'il y a avant? Tu attrapes le 6. Et tu le multiplies par le suivant. 6 x 7. 6 x 7, 42. J'avoue, il fallait connaître cette table. 95 au carré, petite feinte. Bah, le résultat se termine par 25, ça c'est toujours vrai. Ensuite, tu attrapes le 9 et tu le multiplies par le suivant. Après 9, il y a 10. Tu fais 9 x 10. Ça va encore, non? 90, et voilà. Et celui-ci alors? Bah toi tu fais, fais-le et ta réponse en commentaire. À vous, c'est pas mal.